50 ans, pour ce moment, une étape du cyclisme de Martinique. Et on dit souvent dans l'histoire du cyclisme que c'est l'étape de Bamba qui est la plus belle. En tous les cas, je vous souhaite à tous la bienvenue. Profitez donc de cette course qui nous est offerte aujourd'hui, puisque c'est une étape qui est extraordinaire. Et puis, remercier, je profite de l'occasion de faire, remercier toutes les équipes techniques, administratives, financières, et notamment donc la Caisse des écoles, avec toutes ces équipes autour de moi qui ont donc préparé l'arrivée de cette étape à Bamba. Voilà donc, bienvenue à Bakuba, petite commune certes, avec autant de charme que possible. Voilà, donc bienvenue. Ferdinand, eh bien, je regarde le micro parce que Ferdinand est parti. Je suis donc face à Jumpy, Serge, donc le film. Je vais faire donc la débatture avec Mathieu. Tiens Mathieu, est-ce que ça a été vraiment difficile de préparer cette étape? Comme d'habitude, depuis plus de 30 ans, on est dans le moulin, on essaie de revenir si possible, mais avec l'aide de tous les ouvriers des services techniques, on arrive à faire quelque chose de bien. On a des difficultés nécessaires à trouver les barrières en mouvement parce qu'il en faut plus de 250 pour organiser une arrivée. On a pu, avec les communes et nous avons quand même réunir toutes les barrières en mouvement pour nous permettre au public d'être en sécurité. Donc on espère que l'arrivée sera dans de bonnes conditions et que le public sera content. Et les coureurs aussi arriveront dans de bonnes conditions. Ah, merci Mathieu, donc, qui est le responsable technique, qui a organisé, on va dire, toute la logistique que vous êtes arrivé aujourd'hui. Alors, sachez également, il y a une chose qui est très importante, c'est que le fait que la course arrive sur la voie nous permet de découvrir. Donc, je dirais toute la côte carrée, puisque la course est partie du sommet de Trinité, a été donc un petit peu dans le centre, et puis est revenue par la côte carrée, c'est-à-dire une casse pilote de Bellefontaine, Carvé-Saint-Pierre, bientôt donc Bordeaux-Rouge, à Jupabrion, et arrivée sur la Cuba. Donc, c'est pour dire que nous participons justement au développement, on va dire, de cette partie du nord de la Martinique, c'est grâce à la Cuba, les habitants de la côte carrée peuvent justement assister au passage de ces cours-là. Voilà, monsieur Ferdinand. Sérieux, moi je n'ai rien à voir avec vous. Vous avez envie de parler de la Jamaïque là. Il ne veut pas lâcher ça. Ok, vous voyez, je vais sortir le téléphone. Monsieur Momo m'a dit qu'il est à Basse Pointe. Hein. Il vient de terminer Basse Pointe, donc il est en train d'arriver. Alors, rapprochez-vous, et il y aura de très belles choses à prendre s'il vous plaît. La caravane publicitaire nous arrive, donc n'hésitez pas. On va vous faire plaisir aujourd'hui. Je sais qu'il y a des choses sur toute l'étape de Bakuba, et vous feront plaisir. Ok, donc nous attendons patiemment avec un tout petit peu de musique le temps qu'ils arrivent. Notre ami Momo, musique s'il vous plaît. Axel Thaïlandien 207, défend.